N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Gagner avec penalty battle sur un isbet. Bonjour chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Placer un pari sur le jeu penalty battle sur un isbet. Mais avant de continuer, si c'est la première fois que vous êtes sur ma page YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos et likez massivement la vidéo, partagez-la pour nous encourager à toujours faire des recherches pour vous. On revient à notre sujet du jour. Nous sommes dans l'application 1xBet. Vous venez dans Paris en direct, cliquez sur Football et voilà. Juste en haut, vous cliquez sur 1x1 Penalty Battle qui s'affiche là. Ce jeu Penalty Battle n'est pas un jeu programmé, c'est un jeu pratiqué par les personnes. Si vous voulez placer au pari sur ce jeu, c'est à partir de 6h vers 12h que ce jeu est disponible. On choisit le penalty entre l'équipe de Barcelone et c'est de Ruben. Vous cliquez là-dessus. Vous déroulez le menu et venez sur le total du nombre de pénalités. Et où je vous conseille de placer votre pari, c'est juste à votre droite sur moins de 11,5 buts où la cote s'élève à 1,136. C'est là que je vous conseille de placer vos paris. C'est juste pour se rattraper aux différentes pertes que nous avons eues en pariant sur les équipes. Ne soyez pas accro à ce jeu. Je vous ai prévenu, ce n'est pas un jeu programmé. Ce sont les hommes qui jouent. Et lorsque le match commence, vous pouvez même regarder la vidéo. Cliquez sur vidéo. Et la vidéo va s'afficher. Vous-même, vous voyez en direct l'équipe de Barcelone qui va tirer le premier tir. Voilà. Donc la manière que ça se passe, vous voyez que ils sont en complicité avec un isbet. Mais il peut se tromper. C'est la partie où ils vont se tromper, c'est là où nous allons profiter pour gagner. Raison pour laquelle, comme il y a 10 tirs à faire, il faut miser sur moins de 11 tirs.